On est au marché central de Dassa Zoumé. On est au marché de Dassa. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on doit acheter? L'acheter goussi, ça c'est 1000 francs. À peu près 1,50€. On voit aussi les gambos secs pour semer. Yam séché pour faire des libos. Oui. Ah ok, et c'est à combien? 500, ok. Pourquoi c'est? Mais c'est pas grave, je veux 500. On est devant un étalage de plein de choses. Maïs, différentes variétés de haricots. Il y a ce haricot noir là qui s'appelle Tende. 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 Je suis debout littéralement. Et du mil, du sorgho, du maïs. Ça c'est du goussi. Boma, des épinards, des coups, des noix de palme, du gombo, du vrai gombo. Ouais, baissé. Ici, on appelle ça tanking. Des grains d'adémé, des semis d'adémé qu'on va essayer de planter. Elle nous dit de faire bouillir l'eau, de mettre dessus. C'est ça, non? C'est de ça. Mettre dessus. Tu prends de l'eau chaude, mm-hmm. Tu fais bouillir, tu verses les graines dedans, tu laisses refroidir, tu filtres, oui. Et après tu peux faire le semis. Ok, voilà la méthode. On va essayer. Là, on va acheter pour Néné. 100 francs. 100 francs, ok. Au Taon. De l'huile de palme. Ah. Ah, cool. Lira. À Koto, c'est du savon noir. 3 à 250, c'est du savon noir. Pévili, Dwevi, Bolou. C'est du tofu. Donc, à Katabé, elle nous explique comment on fait le soja à la dame. C'est bonjour. C'est ce que vous appelez tofu. De la citronnelle fraîche. Bel et bel, je pense. Des balais, de l'argile, à faque et autres. Oignon. Le thym à 500. On peut prendre 3000 francs. Des courris. On est devant un étalage de plantes médicinales. Je ne sais pas si c'est cloucou ou gangondoy, je ne sais plus. Avec du gari. Un autre étalage de Akoto, le savon noir, authentique. Tu veux acheter pour combien? Du beurre de karité pur.
Fromage Wangash. Ah, t'es 4,750. Maman, tu dis ici alors il est. On voit la colline au fond.